Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce fil de rencontre réservé à mon invité, qui, plus qu'un invité, c'est un ami. Par honnêteté intellectuelle, je dois annoncer que c'est un ami de longue date. C'est le fondateur historique d'une institution en France, une institution humanitaire, ayant ouvert la porte à diverses autres actions humanitaires. C'était Chorba pour tous et c'est Chorba pour tous. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette institution, qui a connu beaucoup de problèmes de parcours, alors que des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers de gens, et des gens qui sont dans le besoin, l'ont trouvé quand il faisait froid, quand il y avait de la pluie, quand c'était le Ramadan, quand on en a le plus besoin. Chorba pour tous était là pour nourrir ces gens qui ont besoin de ce soutien, mais les nourrir d'une manière différente. Ce n'est pas la soupe populaire. Ce n'est pas la honte d'aller tendre la main. Chorba pour tous était plus le concept du partage que le concept de la charité. Et c'est pour cette raison que je suis heureux aujourd'hui de recevoir un ami venu du siècle dernier, né à Bougy, arrivé très tôt en France, très jeune. Et il a fait tout son parcours, à la fois de vie et professionnel, dans ce pays, qui lui a bien rendu, puisque la réussite de Chorba pour tous restera dans l'histoire de la France et non pas dans l'histoire des musulmans de France. Ce fut une grande action semblable à celle des autres associations qui ont marqué l'histoire de la France. Hechmi Boudrahem, bonjour et bienvenue. Bonjour, Tophie. Voilà, je suis très heureux de t'accueillir. On ne va pas se vouvoyer, on ne va pas se Oui, voir la non, face. J'ai absolument. annoncé qu'on était des Non. amis. Donc, comment ça a commencé cette histoire de Chorba pour tous? Et pour ne rien cacher, si je le reçois aujourd'hui, c'est parce que je suis un peu triste. Un peu triste de voir que chaque fois qu'il y a une initiative au sein de cette communauté, eh bien, elle part en vrille par des choses, soit la jalousie, soit l'envie, soit. Je ne sais pas. On va essayer de voir avec Hachmi Boudraham aujourd'hui quelle est la raison qui fait qu'une initiative humanitaire magnifique tourne telle qu'elle a tourné aujourd'hui, qu'elle est devenue. Et s'il y a une porte de sortie, voilà le vrai intérêt de cette émission, c'est de voir avec son fondateur si on peut lui redonner son lustre. Merci Tophir. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, on a le syndrome de jadis quand on parle de Chorba pour tous. Et en tout cas, on te remercie infiniment parce que tu as été un des premiers à nous tendre le micro. Et puis, parce qu'une Chorba pour tous, quel que soit le colostrum qu'on met dedans, le problème, c'est qu'on a besoin d'un véhicule, code de communication pour le faire savoir et l'amener pour demander. Et tu as fait partie des personnes qui a toujours été Et présente nous ne le regrettons pas. et merci à nos côtés. Donc, Chorba pour tous, c'était l'état des lieux que nous pouvions faire dans ce pays. À chaque fois, on était, limite nous, on ne pouvait pas concevoir qu'un musulman, entre parenthèses, hein, parce que quelque part, moi je crois que la solidarité et le partage n'ont pas de religion, n'ont pas d'estomac, n'ont pas, il y a une réalité qu'elle était là. Et puis, bon, les gens de chez nous, les musulmans, partait dans les institutions caritatives. À un moment donné, on a intégré tout ce qui était musulman ne pouvait pas faire autre chose que tendre la main. Donc, on parlait en notre nom, nous représentait. On était des acteurs d'une société à laquelle nous appartenons. En un mot, tu voulais dire, nous aussi, on peut tendre la main aux plus faibles, C'était nous aussi, voilà. on peut, et c'est notre devoir également de partager et d'être présent. C'est ça l'idée. Exactement. C'est que surtout le Ramadan à l'époque, bon. Le Ramadan, c'est un mois de partage, de solidarité. Et quand nous, on était là, parce que la famille, elle était juste, comme elle était C'est l'essence restreinte, c'est même de la l'essence, foi. voilà. Voilà. Et donc, on s'est dit, partager, quand on était en Algérie, ou on était dans d'autres pays musulmans, le Ramadan, on ne pouvait pas passer dans une famille sans manger. C'est le moment C'est le privilégié de la moment. Et réunion. comme je disais, dans le colostrum familial, dans le lait maternel, la solidarité, le partage s'est ancré. C'est nous. On n'avait pas besoin de prendre exemple sur les autres. Et du coup, bon, j'étais avec Linda à l'époque. Moi, je l'avais Oui, déjà Madame eu. Linda Khalas, Khalas, oui. qui à plus d'un titre, je peux lui rendre un vibrant hommage parce que c'est une femme. Et je peux en témoigner puisque j'ai vu les débuts de Chorba pour tous et son acharnement à faire réussir cette idée à tes côtés et avec toi et d'autres bénévoles. Franchement, j'en profite également pour rendre hommage à cette militante de l'inconnu parce qu'elle ne s'est jamais C'est vrai. mise en avant, mais pour laquelle Chorba pour tous doit énormément. Mais je peux en plus en confirmer, dire que
Si Linda n'était pas là, à plus d'un titre, peut-être il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas faites telles qu'elles sont faites. Bon, la vie, comme ça, on ne va pas refaire l'histoire du monde. Tout à fait. Mais en tout cas, il y a une chose, je peux lui rendre un vibrant hommage parce qu'elle a toujours été aux côtés. Elle a été humble, elle a été discrète et elle a été efficace. Donc, et en plus, le que concept, Dieu agrée son action, en tout voilà, cas. Voilà, exactement. Et donc, voilà, donc, je me rappelle, on a eu l'occasion à un moment donné, j'ai dit, bon voilà, écoute, à chaque fois, on prend exemple sur les autres communautés. Nous, nous sommes une peuplade non territorialisée pour le moment. Nous ne sommes pas une communauté. Parce qu'à chaque fois, la solidarité et le partage, en dehors de la femme qui le fait, l'homme, il est ponctuellement généreux, mais il n'est pas solidaire. Donc, on va essayer de montrer qu'on est capable de mener un projet à terme et montrer qu'on est capable de donc de au début, c'était un échange entre toi et Mme Khellas. Voilà, exactement. Voilà. Moi, je l'avais eu avant parce que je voulais, mais le problème, c'est qu'il fallait... Non, pourquoi je te pose la question, Hashmi? Moi, je vais être direct avec toi parce qu'il y a un autre personnage et ce n'est pas un oui-dire, c'est lui-même qui me l'a dit. Ah, il m'a dit avec un sourire, bon, je veux bien le laisser, mais bon, Chorba pour tous, c'est moi. C'est M. Robert Haroche, le patron de Butte-Stein, qui me dit, c'était mon idée, je l'ai confié à Hashmi parce que j'ai pas le temps. Donc, je voulais qu'on lève cette... Robert Haroche, il a eu beaucoup d'idées. Et le problème, Chorba pour tous, je crois pas que ce soit la sienne, d'abord d'une, parce que, à fin de compte, je lui ai davantage rendu service qu'il m'a rendu service. Moi, j'étais dans un domaine auquel lui, il avait plus besoin. Je veux dire, c'était pas illégal ce qu'on faisait. C'est-à-dire que non. Pourquoi je te pose la question? Honnêtement, parce que ça me fait mal au cœur de voir qu'une initiative aussi importante que quelqu'un d'autre veuille se l'approprier, alors qu'elle, à l'origine, le but de cette chorba, c'est de montrer la générosité et le partage au sein de la communauté musulmane. Ça s'est passé que Robert Haroche, c'est un juif marocain venant d'Israël. Bon, c'était quelque part, on a appris à faire connaissance, ce monsieur. C'était des amis, en un mot. C'était des amis. Bon, on est devenus amis petit à petit. Et j'ai vu un peu la communauté juive, ils se solidarisent. Il y a une solidarité entre eux. Mais Natunga, on peut parler de business, c'est pas leur truc. Moi, je... Mais en tout cas... Donc, t'as suivi le bon exemple. J'ai dit, bon, voilà. Le problème, pourquoi nous, on n'est pas capable de monter en aucune manière. À la limite, en aucune manière, Robert Haroche, il a été à l'initiative de quoi que ce soit, en dehors du fait que, matériellement parlant, je peux lui rendre un vibrant remerciement, le fait de nous avoir il a soutenu, nous a prêté un local à Stein. Qu'il en soit remercié. Il y a beaucoup de musulmans qui sont venus effectivement aussi faire une pierre, faire deux coups. Il y a eu ça, il nous a mis à disposition un camion. Est-ce que la réussite de Chorba pour tous, finalement, n'est pas le fruit d'une conjoncture politico-social de l'époque qui avait besoin de visibilité de membres de la communauté et de montrer leur action pour la société française et que c'est tombé à pic parce que ce fut une réussite formidable. Ben, malheureusement, parce que dans la misère qui était en CDI, même à l'époque, je veux dire, c'est vrai que la misère, c'est la maîtresse, c'est la compagne de route de beaucoup de défavorisés, que ce soit des Maghrébins. Les Maghrébins n'étaient pas riches, aussi loin qu'on peut remonter, des étudiants qui pouvaient, pendant la période de Ramadan, trouver au moins un bol de quoi passer un ramadan d'une manière familiale, c'est-à-dire c'est les valeurs. Est-ce qu'il y avait l'idée de faire une chorba pendant le ramadan pour donner la possibilité aux musulmans de manger halal? Ou est-ce que ce n'était pas l'intention? Non, pas du tout. C'était pas le partage. Sincèrement, je veux dire une chose, ce n'était pas le halal. C'était de fait, je veux dire, bon... Oui, c'était tout naturel. Dire, voilà, c'est naturel. Bon, on ne peut pas se permettre de dire, bon, voilà, le ramadan, puis après, contrefaire une des choses... Une bonne soupe au lardon. Voilà, ben écoutez, là, ça a été pris plus tard. Bon, peut-être qu'il y a eu un copier-coller, mais au lieu de mettre l'agneau, on a mis autre chose. Mais il est vrai que c'est... Il y a combien d'étudiants? Ils gagnaient 300, 400 francs à l'époque. Voilà. Je rappelle qu'à l'époque, c'est le 7 avril 1993. Le 3 décembre 92. Le premier... Ah, 3 décembre 92. Qui a eu la création. Oui, tout à fait. Effectivement, le 7 au mois d'avril, c'était le... Février, c'était l'opération en elle-même. Oui. Et là-dessus, je peux remercier Jacques Chirac.
Oui, parce qu'il y a eu une présence politique, il y a eu un vrai soutien de la ville de Paris. Voilà, je me rappelle, j'ai eu l'occasion de taper, parce qu'à l'époque c'était quand même les socialistes. On lui souhaite un bon rétablissement. Mais d'ailleurs, ça fait de la peine de voir ce grand homme aujourd'hui. C'est triste. J'assume ce que je dis, parce qu'à la limite, pratiquement idéologiquement, on était contre la droite à l'époque. Parce que nous, on pouvait penser que ce côté solidarité, anti-raciste, anti-ceci, anti-cela, ne pouvait pas... Si tu permets, tous les bounouls qui se respectaient, se devaient d'être de gauche à l'époque. Ah oui. Ah oui, sinon, c'est, le Parti socialiste ça faisait tâche. Hein, c'est... Ah ben oui, on a, le Parti socialiste il a mis une opéra sur le tissu associatif. Oui, absolument. Donc, tu penses comme eux, tu es démocrate, tu ne penses pas comme eux, tu n'es pas démocrate. Il faut quand même dire pourquoi en un mot, c'est quand même Mitterrand qui a autorisé que des étrangers puissent devenir président d'association quand il est devenu président. Vrai, c'est vrai, donc, mais Chirac a donné la possibilité aux premiers musulmans de pouvoir être ministre. Bon, ça c'était l'époque révolue, une époque révolue. Maintenant... Donc Chirac vient à l'inauguration. Non, parce qu'au départ, on cherchait un lieu pour, pour implanter. Bon, à Stein, on avait la fabrication. Oui, c'était... On avait les choses, bon, parce qu'avec Linda, c'est vrai, plus les amis toutes qui sont venus. Toutes les femmes qui étaient comme tout des fourmis ouvrières. Exactement. C'est extraordinaire, je me souviens. Le plus grand hommage qu'on peut rendre, mais vraiment, vraiment, c'est à la femme. Pourquoi ? Parce que la femme, elle fait de la solidarité. Elle est entière. Et puis, je m'excuse, Hachmi, je me rappelle, j'ai les images devant les yeux, dans la joie et le bonheur. Exactement. Elles étaient heureuses de faire ça, de cuisiner, c'est de préparer. Je les ai vues. Je m'en souviens comme aujourd'hui. Je veux dire, c'est extraordinaire, cette joie. Elles avaient vraiment une conviction, c'était de la foi. Faire chorba, c'était comme une foi. Parce que il y a les pères de famille, les mères de famille qui ont ramené leurs enfants pour leur montrer les valeurs, les réelles valeurs. C'est pas celles qui ont été mises dans les faits divers par certains médias qui n'ont pas pu, qui n'ont pas voulu voir. Ils nous ont occulté le fait que la valeur ajoutée ne pouvait pas être chez nous, quoi, quelque part. Donc, à partir de là, et là, quand ils ont vu une action... Sauf que vous les avez vaincus, après, parce que je me souviens très bien qu'à chaque début de Ramadan, les JT s'ouvrent avec chorba pour tous. Tout à fait. Ça, il ne faut pas l'oublier. Tout à fait. Tous les JT, c'était chorba pour tous, début de Ramadan. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on annonçait le Ramadan en France. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je sais que tu es modeste, mais je le dis. Non, mais le problème, pourquoi ? Parce que... ça a tellement été un travail extraordinaire, parce qu'en plus en 92, c'est l'intégrisme en Algérie. C'est la décennie noire. C'est la décennie noire. Ce qui fait que quand on fait de la solidarité, quand on fait du partage, on amène nos valeurs, on a l'impression que c'est les barbus, comme on les appelait à l'époque. Donc on faisait des émissions, ou bien chez toi. Alors comment tu as fait pour les éviter qu'ils n'infiltrent pas la sauce? Ben parce que le mec, il n'y a que du boulot à prendre, quoi, c'est tout. Voilà, tu veux exprimer tes valeurs familiales, tu viens, tu es le bienvenu. Maintenant, si tu commences à vouloir m'amener dans un département qui n'était pas le nôtre, je suis désolé, maintenant tu as d'autres associations ou d'autres pays pour exprimer ta joie. Tu le renvoies dans le 99. Mais nous, voilà, on est là-dedans, on ne sait pas faire autre chose. On n'a jamais su faire autre chose. En dehors du fait qu'on a été élevé dans ce cadre. On a été dans le vie, dans un... Donc, à côté de cette réussite extraordinaire et reconnue, attestée par les médias, par les autres associations, d'ailleurs plusieurs autres associations ont suivi votre exemple, d'un coup, ça part en vrille et ça devient des conflits, ça devient des coups d'État à l'intérieur. J'utilise bien le mot coup d'État à l'intérieur pour virer tel président ou tel secrétaire général. Et après, malheureusement, de lutte intestine en lutte intestine, elle disparaît pratiquement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut avoir un rappel historique de ce moment tragique où ça commence à partir? Déjà, le moment tragique où ça commence à... Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas les autres. Je veux dire une chose, ici, on vit dans un pays auquel on consente... Nous-mêmes, tu fais référence à la communauté musulmane, oui, ça veut oui, dire que c'est nous-mêmes qui sommes les ennemis. Non, nous sommes... D'accord. Oui, tout à fait. Et surtout les Algériens, puisque je suis Algérien. Il ne faut pas venir se plaindre. Non, mais je veux dire, jusqu'à maintenant, je suis... Bon, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé simplement de donner un exemple propre, un exemple que dit... Moi, la première citation que j'avais mise, c'était « Dans la vie, l'essentiel est de commencer et on souhaite que le suivant fasse mieux. » C'est-à-dire faire monter. Comme toujours. Et dit Peter, on évolue jusqu'au moment où on atteint son seuil d'incompétence. Du coup, on s'est dit « Bon, autant être un peu loin, de telle manière à passer le relais à nos enfants qui sont nos CV, quelque part. » Mais là... Et l'élève dépasse toujours le maître. C'est ça la règle. Exactement, c'est ce qu'on souhaite. On n'est pas là pour vivre. Si on veut faire un business, on monte une société. On ne fait pas dans une association humanitaire. Dans l'associatif, oui. Surtout humanitaire. Et donc, du coup, il y a des espèces de saliers broyeurs, à chaque homme, ce n'est pas du tout ça, qui ont
ce n'est pas physique mais intellectuel, ils ont mis les neurones dans l'estomac. Ce qui fait que c'est des gens qui n'existent pas en temps normal, malheureusement, oui. Et qu'ils ont fait une chose, ils ont commencé à faire un coup d'état. Je vais aller au, voilà, au but. Je vais aller le dernier. Dernier. Non, le premier et après le dernier. Premier, milieu, bon, sans doute que ça a été une répétition. Le premier, il y a eu une assemblée générale. Cette assemblée générale, bon, qui s'est passée, c'est toujours lors des assemblées générales que les choses se font mal. Oui. Le quorum n'était pas atteint. Bon, le problème légaliste, j'ai dit, bon voilà, on repart sur le deuxième. C'est-à-dire qu'on ne peut pas valider, on ne peut rien valider. Mais oui, tu me connais, je suis direct. Oui. Moi, j'ai entendu, tu es là pour confirmer ou infirmer, qu'en fait, certains pays, pour ne pas le nommer l'Algérie, ne voyaient pas d'un très bon œil que quelqu'un qui n'a pas choisi, ça veut dire toi, réussisse cette initiative et t'a sabordé. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Moi, je dis c'est faux parce que j'ai jamais vu les prises de position. En tout cas, c'est certaines rumeurs. En aucune manière. Et c'est heureux que tu confirmes. Non, jamais, ni quel que soit le pays. La preuve, moi, à un moment donné, il y a eu le RCD tunisien, qui était à Bozaris. Le parti de Ben Ali. Le parti de Ben Ali. Il y a un monsieur qui était là-bas. Je veux dire une chose, je ne vais pas épouser les tasses du RCD. Je ne savais même pas à la limite qu'est-ce que c'était. Il y a un monsieur qui s'appelait Jouini. Oui, oui. Salah Jouini, à qui je peux rendre... Qui était le secrétaire général, d'ailleurs, du RCD à Bozaris. Il est venu, il m'a dit, bon, voilà, comment on peut faire pour vous aider? Je ne le connaissais pas. Je lui ai dit, mais écoutez, bon, on a besoin de gâteaux. Mais je ne le connaissais pas. Donc, il m'a dit, combien? Je lui ai dit, écoutez, franchement, c'est en fonction de vos moyens. Combien? On ne peut pas m'envoyer dans ce département. J'ai dit 2000. Une heure après, il est venu, le coffre de la Mercedes plein, le plus ce côté. Il a amené les 2000. Et on est restés en bon terme, tous les deux, voilà. Parce que c'est l'homme, ce n'est pas le parti que... Et peu importe, et il a fait une bonne action. Il a fait une très bonne action. Un jour, il nous a envoyé un chèque de 10 000 francs. J'ai été le voir, j'ai dit, mais on te remercie beaucoup. Mais le problème, c'est que le chèque, il vient du RCD. Je ne peux pas accepter un chèque politique, mais par contre, tu peux le donner à une boucherie, on va chercher des agneaux. Si ce qui a été fait, je veux dire qu'il n'y a pas eu de chèque venant ni d'un parti politique. Mais ils vous ont soutenu. Ils nous ont soutenu. Donc, ça veut dire que Ben Ali n'était pas si négatif, finalement. je pouvais... Là-dessus, je n'engage pas ça. J'aurais pu me le dire à l'époque pour adoucir mes propos. Peut-être qu'à l'époque... Et surtout me donner un des gâteaux pour que je puisse... à mon avis, à l'époque, tu n'écoutais pas ce message. Tu étais plutôt dans le... c'est vrai que tu es assez sanguin, on t'a connu, c'est pour ça qu'on te respecte, parce que la culture du courage, tu l'as eu. Merci. Aujourd'hui, c'est toi. C'est pour simplement dire que si tu avais quelque chose, tu nous aurais joué au baltrap. je t'aurais vraiment bouffé à l'époque, oui. Et donc, voilà, donc à partir de là, je ne vois pas l'Algérie se mêler dans un accord. D'accord, donc c'est faux. C'est complètement faux. On ferme la porte et on passe à autre chose. C'était qui la présidente qui était venue juste après toi, qui était, je crois, dentiste, si Aïd Kassi. Voilà. Aïd Kassi, bon, voilà, elle est venue à la pré... Est-ce qu'elle a fait mieux? Honnêtement, essaye d'être objectif. Je sais que c'est difficile parce que Chorba, c'est ton bébé avec Linda. Donc il y a une continuité qui a été faite, mais n'a pas été dans le son, ni dans la violence, ni dans la dérive. Je veux dire une chose. Bon, et puis ce que j'admire, et je le répète, c'est que tu es parti dignement. Tu n'as pas essayé de suivre ni de... J'ai pris aucun parti. Qu'est-ce qui t'a fait revenir alors? Parce que dans l'état actuel des choses, là, il y a deux ans, moi, j'étais en Algérie. Je suis resté 8 mois en Algérie. Tranquille. Tranquille et tout ça. J'étais tranquillement installé. Bon. Et j'arrive et on m'appelle. Je me dis, s'il te plaît, reviens. Pourquoi? Parce que c'est le merdier. Je rappelle quand même que tu avais choisi l'Algérie parce que tu voulais repartir, ta retraite, et tranquille et tout ça. Donc, exactement. Pour toi, tu as tiré un trait, tu es parti. J'ai tiré un trait, pourquoi? Parce que j'avais l'impression que j'étais comme un hamster dans une cage. On me déchoit de ma nationalité d'origine, je ne sais pas. En plus de ça, maintenant où elle se trouve. Donc, elle est dans un espace, monsieur. Et j'ai repris ta citation qui a dit quand un singe imite un autre, il a toujours un geste de retard. Pour être honnête, c'est la citation de feu Omar Bongo, la yarahmo. Moi, je dis, c'est tout très sage. J'ai eu le temps. Donc, je suis revenu, on m'a demandé de reprendre les rênes de l'association. Je suis arrivé. Il est vrai que l'état des lieux était catastrophique. Il était catastrophique. Bon, en l'espace de 2 mois, 20 heures par jour, oui. On remonte. On était 4 ou 5 à l'association. Je veux dire, on remonte l'association. Et là-dessus, je rends aussi un vibrant hommage à Mme Azouni, parce que Mme Azouni, qui était la directrice, qui n'était pas reposante intellectuellement. C'est une femme qui avait la plume, c'est une femme qui avait
la poigne, et qui avait tout. Je veux dire une chose, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'avec elle, on a remonté les choses. Donc vraiment, avec une confiance totale. Oui, et après, on commençait à revoir de nouveau Chorba. Signer un contrat avec Leclerc, avec le magasin Leclerc, signer plein. Et on avait commencé à remonter la Chorba. On a fait le ramadan à la porte des Lilas, où tout le monde, à l'unanimité des gens, on ne savait même plus où mettre la nourriture, tellement il y en avait. Les camions étaient pleins, les frigos étaient pleins, tout était plein. Et ce sont les surplus des supermarchés que vous recevez. Il y a une loi qui dit que la loi qui avait été votée... Et en plus, ils vous en donnaient avec plaisir, d'après mes souvenirs. Eux, ils défiscalisent. Tout à fait. C'est pas des philanthropes, nous, on est heureux. Ils auraient pu dire, ah non, Chorba... Non, vous avez trouvé porte ouverte. Non, jamais. Le problème, pourquoi ? Parce que le concept en s'il... Si, hein, je veux dire une chose. Il y a une crédibilité. Mais parce que c'était pas le ghetto, on n'a pas été vers les gens en disant, bah voilà, nous sommes des musulmans, nous faisons. Non. Donc problème... aujourd'hui, elle se trouve où, Chorba ? Chorba, elle se trouve en dessous du seuil de pauvreté. Maintenant, ça fait 8 mois. C'est Chorba qui a besoin d'une Chorba maintenant. Ah, oui, exactement. Il y a 6 mois ou un truc comme ça qui a été. Bon, d'abord, c'était simplement un conseil d'administration, ils m'ont fait un coup d'État. Ils ont volé le cahier Le deuxième. C'est le deuxième. Finalement, tu deviens coutumier des coups d'État. On devrait t'appeler Idi Amin au lieu de Hachmi. Donc, ils ont volé le cahier des procès-verbaux, le cahier de, comment ça s'appelle, le tampon. Ils ont fait un faux, usage de faux. Oui, mais Hachmi, nous sommes dans un état de droit. Oui, mais... Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des procédures? Parce que je pense que ça peut pas, on ne peut pas fermer les yeux sur ces pratiques. Le problème, c'est que j'ai commencé déjà, moi, à payer de ma poche l'avocat, mais je ne peux pas. Je veux dire une chose, je ne suis pas un milliardaire, hein, donc je ne peux pas suivre... Fonctionnaire à la retraite. Voilà, donc c'était vraiment quelque chose qui était... Bon, et là... Il y a eu les mêmes causes reproduisent les mêmes effets. Donc l'association actuellement, ça fait 2 ans parce qu'ils ont fait les faux, ils l'ont envoyé à la préfecture. La préfecture, elle n'est là pour enregistrer ce qu'on envoie. Faux ou pas faux, si vous n'êtes pas content, elle est en justice. Donc j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est humanitaire, on ne peut pas laisser ça comme ça. Donc du coup, ceux qui font que l'association se trouve en dessous du seuil de pauvreté sont venus pour servir et non servir. Moi, j'ai impossible que j'accepte ça. Quand il y a des gens qui sont... Je vois dans le courrier que vous avez envoyé à monsieur le préfet de police, à son cabinet, préfet de police de Paris, vous dites que cette dame qui s'appelle Mahala, qui est la présidente aujourd'hui en exercice, je cite, qui fait fonction de président par intérim en attendant une AG, continue à faire des ramasses de denrées alimentaires à son profit ou partager avec sa famille ou entre amis. C'est grave comme accusation. Il n'y a pas un bol de Chorba et un bol qui est distribué dans la rue parce que c'est arrêté. Comment se fait-il? Oui, on ne voit plus Chorba. On ne voit plus, Chorba. Donc comment se fait-il qu'on va faire des ramasses aussi dans les supermarchés? Problème. Attendez, quand on fait des ramasses, c'est pour que le produit aille vers les gens qui sont dans le besoin, les gens qui sont pauvres, les gens avec qui c'est destiné. Là, non. Le problème, il va directement vers les personnes qui sont là-dedans. En plus, expliques-tu, avec ton expérience, que chaque fois qu'il y a une initiative d'origine maghrébine, parce qu'il faut pas aller ailleurs, ils sont super bien organisés, absolument, que ce soit la communauté turque, pakistanaise, juive, ils sont tous hyper organisés. C'est vrai. Dès que ça touche à la communauté maghrébine, on est dans l'alali, pour ne pas dire dans la chienlit. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que c'est des gens qui n'ont rien, qui n'existent pas, parce que la seule manière de pouvoir y exister, c'est de faire un coup d'État des autres. C'est-à-dire qu'on travaille, il y a 550 000 euros que j'ai laissés sur le compte de la Chorba quand ils m'ont fait le coup d'État. Il faut quand même croire qu'on a fait plus d'un million de repas. Le dernier coup d'État, le premier. 550 000 euros. 550 000, j'ai noté, donc 550 000 euros. Il y avait, beaucoup d'argent. Mais beaucoup d'argent. 8 000, on a fait presque un million de repas. Pourquoi? Parce qu'on a pris en charge les Syriens, les Érythréens, les Soudanais, les Afghans, tout. Et Dieu sait que ce ne sont pas les nécessiteux qui manquent en ce moment. On était tout le temps sur les routes en train de distribuer, on faisait dans l'urgence alimentaire. Oui. Voilà. Donc, à partir de là, les gens, s'il y a 2-3 personnes, pas plus, qui font les coups d'État. Hein. Je vais te dire autre chose, pourquoi? Parce que comme leur cerveau il est placé dans les muscles, aujourd'hui, c'est la lenteur administrative naturelle, j'allais dire, qui fait qu'il n'y ait pas encore de décision judiciaire pour trancher. Ben, le problème, il y a une décision, moi je n'ai pas pu poursuivre financièrement parlant, je vous avoue, où nous sommes là actuellement, c'est qu'il y a une autre, il y a les mêmes qui ont fait un coup d'État contre elle, contre Mahala, ils sont en justice,
ils sont encore en train de reproduire les mêmes effets. Les mêmes, ça. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur, comment ça s'appelle, monsieur Ziani, monsieur... monsieur Ziani, monsieur... D'ailleurs, je l'annonce, toutes les personnes citées ont le droit à un droit de réponse et seront les bienvenues si elles ont un avis contraire ou bien sûr, apporter donc, des éléments, voilà, moi j'ai elles tous sont les bienvenues. Oui, j'ai tous les éléments, voilà, qui voient un peu comment ça s'est passé. Donc à partir de là, Pour essayer d'être positif, Ashmi. Oui. On a parlé de ce problème endémique de ce qui s'appellerait la communauté maghrébine, alors qu'en vérité, il n'y a pas de communauté. Toi et moi, nous le savons, on a suffisamment exercé dans la communauté pour savoir qu'il n'y en a pas eu. Absolument. Donc, les seuls qui sortent du lot aujourd'hui sont les Marocains. Ils sont organisés, ils commencent à être dans les structures du pays, ils sont vraiment, ils ont un objectif, ils savent... Pourquoi ne pas changer de Chorba pour tous à Harira pour tous? Peut-être que tu aurais plus de chance. Ah ben pourquoi pas? Moi je dis une chose, le problème c'est pas le nom en soi, c'est-à-dire mais c'est tu as compris la finalité. J'ai compris, mais dire, parce que c'est des gens, ils ont peut-être au-dessus, eux, par contre les Marocains, ils ont une ligne qui leur indique qu'au-delà de ce seuil, leur ticket ne serait plus valable. Parce que ça en tout cas, elle semble leur réussir. Complètement. Là-dessus, Jamais je ne jetterai l'anathème sur des gens qui font... Parce que pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas en France et qui ne connaissent pas la France, et les petits détails, la communauté tunisienne, elle est totalement absente, pas d'aujourd'hui, depuis très longtemps, on dirait qu'elle ne s'intéresse à rien. La communauté algérienne est toujours dans le bisbise les luttes intestines, et les Marocains travaillent en silence, et après on les trouve... Beaucoup de fois, les Algériens font 99% du boulot, 1%, c'est les Marocains qui récupèrent les lauriers. Et tant mieux. Ce qui compte, c'est celui qui réussit. Absolument, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Comment dire, bon, en tout cas, ils écrivent une histoire, une belle page d'histoire. Maintenant, quel est le futur? Parce que l'émission touche à sa fin. Qu'est-ce que tu souhaites vraiment? Et parce que je sais que c'est une véritable douleur, et je le comprends parfaitement. Je veux dire, réussir quelque chose et l'avoir périclité, et surtout que c'est... totalement désintéressé. Ce n'est pas ni pour que tu deviennes riche, tu es à la retraite, c'est fini. Tout à fait. Donc, je pense que toi comme moi, notre vie, elle est plus derrière que devant. Bien sûr. Donc, alors, qu'est-ce que tu veux faire ? Notre CV, c'est nos enfants. Nous, on souhaite que ces valeurs qui ont été, du moins, on a arrosé ces gens-là, je veux dire, l'irrigation de la vie. On a irrigué la vie avec la charba pendant 25-26 ans. Je veux dire, pourquoi ne pas continuer? Ces gens-là, à un moment donné... En plus, les gens sont dans le besoin. Mais il faudrait que quelque part, j'ai dit au fur et à mesure, on étale ce qu'ils ont été capables de faire. Ça veut dire ton message en clair, à la limite, je suis dehors, vous êtes venu me chercher, mais continuez. C'est ça le message. Au moins, soyez utile. Mais pour ça, il faut avoir l'idée que... Ah, parce que ce n'est pas encore arrivé. Mais je ne suis pas sûr que les gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté puissent faire quelque chose pour une chorba. Quand on a été... comment ça s'appelle? Quand certaines personnes sont dans le besoin, on ne peut pas se retrouver... Quand ils sont dans la main... On ne peut pas se retrouver être trésorier, on ne peut pas se retrouver gestionnaire de stock et on ne peut pas se retrouver... C'est une phrase que ton président, pas ton président, le président de ton pays d'origine avait dite, je pense à ton époque et à ton âge, puisque tu es du siècle dernier. C'est vrai, encore. Boumediene avait dit, on ne peut pas récolter le miel sans se lécher les doigts. Mais apparemment là, on ne lèche pas les doigts, on mange le miel. Regardons un petit peu dans quel état se trouvent certains. Certaines choses. Bon, le problème, je ne vais même pas aborder, parce qu'il y en a qui se sont léchés les miels et les autres, ils sont spectateurs. Donc, ils ont fait du shopping devant la ruche. Donc, la seule chose qu'ils aient récoltée, c'est peut-être les abeilles qui les ont piquées tout de suite. Alors, il faut faire, comme l'émission se termine, faire très attention aux piqûres d'abeilles, qui sont les décisions de justice. Je veux dire, il y a tellement de plaintes, de choses comme ça, de ceci, pour dire arrêtez. C'est épuisant. C'est épuisant, la fin, parce que c'est terminé. J'ai fait un infarctus, moi, je veux dire, suite à plein de choses, mais c'est fini. Je veux dire, j'ai pas envie, quelque part, de. Ashmi, ce sera le mot de la fin. Malgré toutes ces péripéties tristes, tu as planté, tu as semé une graine. Donc maintenant, finalement, tu la laisses pousser. C'est pas que je la laisse pousser, parce qu'à fin de compte, maintenant, le problème, c'est qu'il faudrait que les gens prennent et disent, bon voilà, on se met ensemble. On essaie, moi, je veux bien donner un coup de main pour essayer de faire en sorte que les choses redeviennent telles qu'elles étaient. Le sens original même de l'association reprenne, à la limite, reprenne... reprennent acte.
L'idée originelle. Voilà, l'idée originelle, ça veut dire se mettre au service de l'autre, servir l'autre et tout ça. Mais à un moment donné, il faut que ces gens se poussent et puis qu'on travaille tous ensemble. Il ne faut pas dire, bon, voilà, je vais faire une carte de visite avec une association. On n'a que du boulot à prendre. Il n'y a pas de carte de visite. Le carte de visite, c'est peut-être le futur, ça sera nos enfants. C'est une mission et non un honneur. C'est une mission, exactement. Il faudrait merci, arrêter. Hachmi, merci d'avoir beaucoup répondu à mon invitation. Merci. Et j'espère vraiment que ça va s'en sortir, pas pour Inchallah ton bien propre, mais pour le bien de ceux qui ont bien besoin sûr de cette aide absolument indispensable. Exactement. Merci encore. Merci, Tofir. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec toi. Et au plaisir de vous retrouver tous dans une autre émission. Merci bien.